اليوم يوم الانتقام منه في ساح الوغى اليوم يوم الانتقام منه في ساح الوغى اليوم يوم الغضبة اليوم يوم الوثبة فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة اليوم يوم الغضبة اليوم يوم الوثبة فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة والأرض تحت الأرجل غلت كغلي المرجل فثار بركان الثرى يحصدهم كالمنجلي والأرض تحت الأرجل غلت كغلي المرجل فثار بركان الثرى يحصدهم كالمنجلي ومن دمانا هدرت سيولنا وانحرت. Bonjour à tous, c'est Johnny, nous sommes en séance de désendoctrinement, séance noire, et nous allons parler des phénomènes paranormaux auxquels ne croient pas les athées. Et pour commencer, nous allons raconter l'histoire de la maison hantée. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de maison hantée? C'est une maison dans laquelle se déroulent des phénomènes paranormaux. Il existe différentes maisons hantées, il y en a où les tasses se mettent à voler, où les tables bougent dans tous les sens. Et dans cette maison, ce qui se passe, c'est que les fantômes pousse les meubles contre le mur. À chaque fois qu'on remet la table au milieu, le fantôme pousse la table contre le mur de gauche. Il pousse pas le reste, il pousse que les meubles. Si on met une chaise, il va la pousser. Donc les scientifiques, bien sûr, ils ont essayé d'expliquer ce phénomène paranormal des fantômes pousseurs. Ils ont étudié la composition des meubles. Ils se sont posé la question, est-ce que ce serait aimanté, il y aurait un champ magnétique? Ils ont vérifié derrière le mur, il n'y a rien, il n'y a aucun champ magnétique. Et après avoir épuisé toutes les explications scientifiques, ils en sont arrivés à la conclusion que cette maison est hantée par un fantôme qui pousse les meubles. Dans ce monde-là, les gens croient aux phénomènes paranormaux, ils croient aux fantômes. Les scientifiques aussi croient aux fantômes. Il n'y a aucune autre explication possible, cette maison est hantée, et ça arrive dans différentes maisons, il arrive que les maisons soient hantées. Et maintenant, je vais vous surprendre, parce que je retire les objets de la table. Ok, j'ai fait le ménage. Je vais vous surprendre parce que je vais arrêter de pousser la table pour simuler le fantôme. Et vous allez voir qu'elle va bouger toute seule. Et je vous assure que c'est pas truqué, il n'y a pas de fil invisible, il n'y a rien. Et elle va bouger toute seule sans que je ne la touche. C'est pas truqué. Donc je prends la table. Vous êtes prêts? À 3, je ne fais plus rien. 1, 2, 3. Je ne l'ai pas poussée, elle a bougé seule. Mais pas vers la gauche, vers le bas. Ça marche aussi avec la chaise. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En fait, ce n'est pas la maison qui est hantée, c'est toutes nos maisons qui sont hantées. Il n'y a pas que les meubles qui sont poussés, il y a tout qui est poussé. Mais Johnny, tu es bête, ça s'appelle la gravité, on connaît. Oui, oui. Maintenant, calme-toi. En fait, tout le problème vient précisément de là. Quand tu me dis « on connaît, c'est la gravité, c'est normal », le problème est précisément là. Si on revient à l'exemple de la maison hantée, si quelqu'un voit les objets se faire pousser sur le mur, si on met un nom sur ce phénomène, on dit « c'est la loi de la muralité de gauche », est-ce que quelqu'un qui découvre ce phénomène, il te dit « qu'est-ce qui se passe ?» Est-ce que tu pourrais lui dire « mais t'es bête, c'est la loi de la muralité de gauche ?» C'est normal, on connaît. En fait, mettre un nom sur le phénomène n'explique pas le phénomène. On va faire une expérience. On place une chaise au milieu de la pièce. On demande à quelqu'un, un cobaye, de venir s'asseoir. On va dire qu'il s'appelle Valentin. Valentin vient s'asseoir, on lui met des œillères, il voit pas ce qui se passe derrière lui. Et maintenant le scientifique qui a conçu l'expérience, Hugo, il vient se placer derrière Valentin, sans faire de bruit. Si vous voulez, on lui met des rétroviseurs pour qu'il voit ce qui se passe derrière, mais les rétroviseurs ont un angle mort. L'angle mort, c'est pile l'endroit où se situe Hugo. On met aussi à Valentin des boules quies, on sait jamais si Hugo fait un bruit. Et maintenant tout est prêt, Valentin est sur la chaise, il se croit seul dans la pièce, il a l'impression d'être seul, mais il y a Hugo derrière qui voit pas. Et là, ce que fait Hugo, c'est qu'il pousse la chaise. Il la pousse jusqu'au mur. L'expérience est terminée. Valentin demande à Hugo qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Hugo lui répond, tu as bougé avec la chaise vers le mur de gauche. Est-ce que c'est une réponse satisfaisante? Non, Valentin ne sera pas satisfait. Il va lui répondre, oui, j'ai bien vu que la chaise a avancé. J'ai bien vu ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, Hugo lui répond plus scientifiquement, tu as subi une force de tant de newtons en direction du mur de gauche. Est-ce que c'est une réponse satisfaisante? Est-ce que c'est la réponse qu'attend Valentin? Non, il va lui répondre. Oui, d'accord, j'ai bien vu, j'ai subi une force, d'accord, dans cette direction. Peu importe l'intensité de la force. J'ai subi une force, j'ai bien vu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, Hugo va encore essayer d'embobiner, il va lui dire, ton centre de gravité s'est déplacé vers le mur. Valentin, il va lui dire, non, mais ok, mon centre de gravité s'est déplacé, mais dis-moi, Hugo, ce qui s'est passé. Et là, Hugo veut toujours pas lui avouer le truc,
Donc il lui donne des instruments de mesure et il lui dit, tiens, mesure, calcule les distances, les vitesses. Valentin lui dit, mais pourquoi? Hugo lui dit, tu comprendras mieux. Donc ils vont refaire l'expérience, Hugo va pousser Valentin et Valentin va se mettre à mesurer la distance qui le sépare au mur et sa vitesse. Sauf qu'en mesurant, Valentin va se rendre compte que les mouvements sont saccadés, qu'au fil du temps, s'affaiblit comme s'il y a un épuisement et il risque de finalement reconnaître les caractéristiques de la poussée humaine. Donc ce que fait Hugo, c'est que dans son laboratoire de scientifique, il a conçu des gants mécaniques qui lui permettent, lorsqu'il les enfile, ces gants mécaniques sont munis de détecteurs et de ressorts très sophistiqués, et lorsqu'il va pousser avec, ça va ajuster automatiquement la force de sorte à ce que ce soit uniforme et que Hugo ne se rende pas compte que c'est une poussée humaine. Et il est encore plus malin que ça, il a fait en sorte que plus il s'approche du mur, plus ça pousse fort. Et comme ça, Valentin ne suspectera pas un humain de le pousser parce qu'il y a le contraire d'un épuisement. Au fil du temps, la vitesse augmente. Ainsi, Valentin ne devinera jamais le truc. Il devinera pas que c'est Hugo qui est en train de le pousser. Donc ils font l'expérience des dizaines de fois, des centaines de fois. Valentin prend des notes, il note tout sur son carnet. Et il se rend compte de cette accélération et il calcule que quand il est à la moitié de la distance du mur, la force qu'il est en train de subir est multipliée par 4. Quand il se trouve à un tiers du mur, la force est multipliée par 9. Il comprend donc que la force qu'il subit varie inversement proportionnellement à la distance qui le sépare du mur au carré. Un jour, il vient faire l'expérience, mais il oublie de déposer son sac à l'entrée, il le garde sur lui, et il se rend compte que la force a été augmentée. Il mesure, et il se rend compte qu'elle a précisément été augmentée d'autant de pourcents que son sac pesait proportionnellement à son corps. Il vérifie avec d'autres mesures en apportant des poids avec lui, et il comprend que la force dépend directement de la masse sur la chaise. Finalement, il dit à Hugo, voilà, j'ai fait toutes les mesures, j'ai fait tous les calculs, où veux-tu en venir? Hugo lui demande, qu'as-tu trouvé? Valentin lui répond, j'ai calculé que la force dépend de la masse sur la chaise et de la distance qui sépare la chaise du mur. Hugo lui dit, tu as donc trouvé une formule. Valentin lui dit, exact, il s'agit de la formule force égale masse divisée par distance et encore par distance. Et là, Hugo lui fait, voilà, tu as ta réponse. Comment ça, j'ai ma réponse? Tu as la réponse à ta question, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah oui, et qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu as subi la loi F égale M divisé par D carré. C'est cette loi qui s'est appliquée sur toi et qui t'a poussé vers le mur. Là, Valentin commence à hésiter, il fait Et Hugo lui dit, c'est la loi fondamentale d'attraction murale. Et il écrit son nom avec des belles lettres, la loi fondamentale de l'attraction murale. Voici ta réponse. Que t'est-il arrivé? Tu as tout simplement subi la loi fondamentale d'attraction murale. Point. Et là, je vous pose une question. Est-ce que cette réponse est une réponse satisfaisante? Est-ce que Valentin est censé dire, ah d'accord, tout ceci, c'est donc la loi fondamentale d'attraction murale. Merci Hugo, je vais rentrer chez moi. Est-ce que c'est satisfaisant? En fait, pas du tout. Cette équation n'est que la traduction mathématique de ce qu'a fait derrière Hugo. Et là, Valentin en a marre, il se rend compte que Hugo le prend pour un âne, il lui fait bon, écoute, Hugo, j'en ai marre, je vais te mettre une baffe, alors maintenant tu vas me dire la vérité, tu vas me dire ce qui s'est passé. Et là, Hugo est déboussolé par l'agressivité soudaine de Valentin et il fait je t'ai poussé. Voici la réponse que Valentin attendait. Je t'ai poussé. Il ne voulait pas savoir dans quelle direction et avec quelle force il a été poussé. Il ne voulait pas connaître l'équation mathématique traduisant cette force. Il voulait comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et ce qui s'est passé, c'est que Hugo l'a poussé. Et maintenant, la question que je vous pose, bien sûr, c'est êtes-vous des ânes? Est-ce que quand vous voyez un objet attiré vers le bas et qu'un scientifique vous dit, mais voyons, on connaît, c'est la loi de la gravitation, Newton, la pomme. Voyons, je suis en train de poser une question bête. Ce qui s'est passé est parfaitement connu. C'est tout simplement la loi de la gravitation avec un joli L, mécanique newtonienne, etc. Voici l'équation. Ce qui s'est passé, c'est ça. La chaise a tout simplement subi cette loi, F égale M divisé par D au carré, à un facteur près. Est-ce que là, on est censé répondre aux scientifiques ou aux professeurs? Ah d'accord, c'est donc ça qui s'est passé. Merci professeur de me transmettre votre savoir. J'apprends beaucoup avec vous. Est-ce que la réponse du prof était satisfaisante? Absolument pas. Il n'a fait que décrire le mouvement, comme l'a fait Valentin quand il était assis sur la chaise. Il a réussi à le décrire, il a réussi à retrouver la traduction mathématique. Mais ce qui s'est passé fondamentalement n'a pas été expliqué. Absolument rien n'a été expliqué. Il y a seulement eu de la description des calculs, des mesures. Et voilà la grande supercherie de la science, c'est qu'ils font passer des mesures, calculs et descriptions pour une explication, alors que ça n'explique rien. Valentin, il a mesuré, il a calculé, il a décrit la force qu'il subissait, il a obtenu une équation mathématique. Après, ils peuvent mettre n'importe quel nom dessus, ils peuvent dire c'est la loi de Stephenberg. Ça, c'est impressionnant, Stephenberg. Là, on se dit waouh, il est fort lui.
Mais peu importe le nom que tu mets sur cette équation, ce n'est que la traduction mathématique d'une force qui s'est appliquée. Et la grande supercherie de la science, c'est de faire croire que mesure, calcul, description expliquent les choses alors que ça n'explique rien. Et de faire croire aux gens que les forces s'appliquent toutes seules grâce à des équations, grâce à des lois. Ils disent il y a des lois et ça s'applique tout seul. Il n'y a rien derrière qui exerce des forces. Les forces s'exercent toutes seules. Comme par magie. Ils disent pas comme par magie pour pas qu'on se rende compte que c'est magique. Ils disent ça s'exerce tout seul, c'est comme ça. C'est la nature, c'est l'univers, c'est comme ça, il n'y a pas à réfléchir, circuler, il n'y a rien à voir. Ça s'exerce tout seul parce qu'il y a telle loi. Après, ils disent il y a aussi cette loi, cette loi, cette loi. Et donc, ils écrivent les équations. Sauf que ce genre d'équations, vous pouvez les écrire autant de fois que vous voulez, avec toutes les encres que vous voulez, sur tous les matériaux que vous voulez. Vous pouvez les sculpter dans la roche, dans le plomb, dans ce que vous voulez. Peu importe où, sur quoi, avec quoi vous écrivez ces équations, jamais ces symboles vont se mettre à exercer des forces tout seuls. Ce ne sont que des symboles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 symboles. Mais ces 6 symboles, vous pouvez les sculpter n'importe où, les écrire n'importe où avec n'importe quoi. Jamais par la simple rédaction de ces symboles, des forces vont se mettre à s'appliquer dans l'univers toutes seules. Et peu importe la description matérielle qu'ils donnent à la gravité, que ce soit une déformation de l'espace-temps, des ondes gravitationnelles ou des échanges de gravitons, ça c'est l'explication à la mode. L'attraction entre les particules et donc les objets pourrait être due à un échange permanent de mini-particules qu'ils appellent les gravitons. Ce serait cet échange qui provoquerait l'attirance. Peu importe la description physique qu'ils en font, chaque fois ils sont obligés de se réfugier derrière des lois. S'ils veulent expliquer la déformation de l'espace-temps, ils vont dire parce que la masse déforme l'espace-temps. Pourquoi? Parce qu'il y a telle loi, telle équation. Pourquoi les ondes gravitationnelles ou les gravitons font ça? Parce qu'il y a telle loi. Mais une fois que tu es arrivé à la loi, tu n'es toujours pas à la cause, tu es toujours sur la conséquence. Tu as seulement donné une traduction mathématique de la conséquence. La pomme ne tombe pas de l'arbre parce qu'il y a la loi de la gravité, elle tombe parce qu'elle subit une force. Et la conséquence de l'agissement de cette force invisible se traduit mathématiquement par telle équation. L'équation n'est pas la cause. Quand Valentin avait découvert l'équation F égale m divisé par d carré, la loi de Stefanberg, ce n'est pas la loi en elle-même qui le poussait. La loi n'est que la traduction mathématique d'autre chose. Il n'a fait que retrouver l'équation du mécanisme du gant mécanique qu'avait implémenté Hugo. Et ce n'est pas l'équation qui le poussait. Ce qui le poussait, c'était Hugo derrière. Et lorsque Hugo lui a dit « Je t'ai poussé », il a en fait brisé le septième mur. Dans la pièce, il y a six murs. Et là, il y avait un septième mur qui lui cachait ce qui se passait en coulisses. Et lorsque Hugo lui a dit « Je t'ai poussé », il a brisé le septième mur et il a rendu accessible à Valentin ce qui lui était inaccessible avant. Pour ceux qui ont vu la séance numéro 3, ça correspond à la fuite. Il y a eu une fuite. L'équation ne provoque pas le mouvement. Ce qui provoque le mouvement, c'est une force qui est appliquée. C'est en fait un transfert d'énergie. Tout à l'heure, j'ai mangé une amande. Cette amande contient des nutriments, glucides, lipides. Je l'ai mangée. Mon organisme a converti ces nutriments en énergie. Dans une amande, il y a environ 5 kilocalories. En joules, c'est environ 20 000 joules. Et donc, en ayant mangé l'amande, j'ai eu un apport énergétique d'environ 20 000 joules. Et quand je vous ai montré l'exemple du fantôme, quand j'avais bougé à table comme ça, c'est parce que je disposais d'énergie, 20 000 joules par l'amande, et j'ai dépensé de l'énergie dans un effort physique, et ainsi j'ai transmis de l'énergie à la table. Une partie de mon énergie a été transmise à la table et convertie en énergie de mouvement. C'est comme ça que la table se met en mouvement. On peut faire le calcul de l'énergie cinétique de la table. La formule, c'est la masse fois la vitesse divisée par 2. Imaginons que la table pèse 20 kg. Et imaginons qu'il n'y ait pas de frottement sur le sol. On va dire que c'est comme de la glace sur le sol. Et disons que lorsque je pousse la table, elle fait 1 mètre par seconde. Chaque seconde, elle avance d'un mètre. Donc la formule donne 20 kg fois 1 mètre par seconde fois 1 mètre par seconde égale 20 divisé par 2, 10. 10 joules. J'ai dépensé 10 joules en énergie. Ces 10 joules ont été transférés à la table sous forme d'énergie cinétique, et c'est comme ça qu'elle a pu se mettre à accélérer. Ça, c'est ce qu'on a appris à l'école. L'accélération, c'est un transfert d'énergie. Quand Hugo a poussé Valentin, il a dépensé de l'énergie, et l'énergie qu'il a dépensée a été convertie en énergie cinétique qui a provoqué l'accélération de la chaise. Les choses ne se mettent pas à accélérer toutes seules, comme par magie. Quand elles se mettent à accélérer, c'est parce que derrière, il y a une force qui est appliquée. Et donc, il y a de l'énergie qui a été dépensée. Quand on vous dit les objets tombent, parce qu'il y a la gravité, peu importe comment ils appellent la chose, on peut répondre, mais bien sûr, je vois bien qu'il est en train d'accélérer vers le bas l'objet, je vois bien qu'il y a une force qui est exercée. C'est justement ça le problème. D'où provient cette force?
Qu'est-ce qui est en train d'appliquer une force? Qu'est-ce qui est en train de transférer de l'énergie à la chaise? C'est la loi de la gravitation. Oui, mais une loi, ça ne s'applique pas comme ça tout seul, par magie. Si on regarde les lois humaines, pour qu'une loi puisse s'appliquer, il faut d'abord le législateur qui écrit la loi, et ensuite il faut les personnes qui font appliquer la loi. Si je vais dans la rue, je tue quelqu'un, je vais finir en prison. N'importe qui va dehors et qui tue quelqu'un, il va finir en prison. Donc il y a une loi qui le met en prison, mais cette loi, elle ne s'applique pas comme ça par magie, par enchantement. C'est parce qu'il y a des gens qui ont écrit la loi, et ensuite il y a des gens qui ont fait appliquer la loi. Il y a la police, les juges, c'est tout un processus qui a fait que la loi a pu être mise en application. Elle a été conçue, puis mise en application. Imaginez que quand la police arrête les meurtriers, il les électrocute de façon à ce qu'ils perdent connaissance et ils se réveillent donc ensuite directement en prison. Ça veut dire qu'ils tuent quelqu'un et quelques temps après, ils se réveillent en prison. Mais ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Ensuite, ces meurtriers discutent entre eux en prison, ils se disent, tiens, c'est bizarre, j'ai tué quelqu'un et je me suis retrouvé là. Et les autres ils disent, moi pareil, moi pareil. Et ils se disent, tiens, c'est un phénomène très étrange. On dirait qu'il y a un schéma, c'est comme si c'était une loi naturelle. Une loi naturelle qui fait que quand on tue des gens, on se retrouve ici en prison. Très curieux. Et après, ces meurtriers, ils font des calculs et ils se rendent compte que plus ils ont tué des gens, plus vite ils sont en prison. Ou plus la personne qu'ils ont tuée est connue, plus vite ils sont en prison. Et donc ils font des calculs et tout, et ils arrivent à retrouver des équations mathématiques qui ne sont pas mécaniques, elles sont plutôt statistiques. Ils ont trouvé des équations statistiques probabilistes. Et après, le chef des meurtriers, il vient, il dit, les gars, nous avons découvert une loi naturelle. Une loi universelle de la nature, très étrange, c'est comme ça, c'est la nature. Quand on tue quelqu'un, on se retrouve en prison selon telle équation probabiliste. On lui demande, oui, mais c'est juste une loi, ça peut pas te mettre en prison tout seul, il s'est passé quelque chose. Et le mec, il te dit, non, non, c'est comme ça, c'est la nature, ça se fait tout seul par enchantement. Vous voyez bien que c'est stupide. En fait, l'équation qu'ils ont trouvée, c'est pas une loi de la nature, c'est la traduction mathématique du résultat de tout le processus législatif, juridique, judiciaire, carcéral. C'est tout le processus global qui donne, si on le traduit mathématiquement, une équation, mais ce n'est pas cette équation qui agit. Ce sont tous les agents autour, les policiers, les juges, les avocats, tout le monde qui ont agi pour faire appliquer la loi. Après, si la personne ne voit pas tous ses agents, il peut faire des calculs basés sur l'observation, il fait des études scientifiques et il tombera sur des équations qui décrivent mathématiquement le résultat de ce qu'il s'est passé. Mais à partir du moment où il dit, ce sont ces équations qui ont fait que je me retrouve en prison, là il se trompe. Des équations ne peuvent pas exercer des forces sur toi. Des équations ne peuvent pas te mettre en prison toute seule comme par enchantement. Donc nous avons mis en évidence une supercherie scientifique. La plus grande supercherie scientifique, c'est une supercherie planétaire, c'est de faire passer mesures, calculs et descriptions qui donnent à la sortie des équations et parfois même des prédictions, de faire passer ça pour de l'explication alors que ce n'est que descriptif. Sous prétexte que ces équations, ces lois seraient des propriétés intrinsèques de la nature, ce serait comme ça, elles seraient là, comme par magie. Ces lois seraient écrites comme ça dans la nature et des forces s'appliqueraient parce qu'il y a ces lois. Des forces s'appliqueraient toutes seules parce qu'il existe des lois qui existent toutes seules. Et tout ceci serait une explication, alors qu'en réalité, c'est une supercherie. Et ça, c'est un phénomène paranormal. Scientifiquement, c'est inexplicable, inexpliqué. On a l'impression que c'est normal parce qu'on est habitué, mais quelqu'un d'extérieur, il trouverait ça paranormal. Imaginez dans le monde où il y a la loi de Stephenberg qui attire les objets sur le mur de gauche, un enfant qui naît dans cette maison, qui grandit dans cette maison, toute la société est bloquée dans cette maison. Ils sont tellement habitués à ce que les objets soient attirés par le mur de gauche qu'ils trouveraient ça normal. Si quelqu'un posait la question, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Les autres diraient, mais voyons, c'est normal, c'est la loi de l'attraction murale fondamentale. Stephenberg, tu connais Stephenberg. Maintenant, s'il voit une tasse aller dans l'autre sens, il se dirait, attention, qu'est-ce qui se passe? C'est paranormal. Mais ce n'est pas plus paranormal que lorsqu'elle va dans ce sens. Quand on a des forces invisibles qui agissent et qu'on n'arrive pas à déterminer d'où elles viennent, qui applique ces forces, pourquoi elles s'appliquent, et que tout ce qu'on sait faire, c'est décrire, écrire des équations pour décrire ou prédire les mouvements, alors c'est un phénomène paranormal. On n'a pas su l'expliquer. Ils peuvent dire, il y a des échanges de gravitons qui font que, mais d'où sortent ces gravitons, pourquoi ils sont là, pourquoi ils font ça, qu'est-ce qui se passe,
Ça, c'est inexpliqué et inexplicable. Et toutes ces forces qui agissent dans l'univers, comme on y est habitué, on a l'impression qu'elles sont normales. Alors qu'il y a en réalité une quantité infinie de forces qui s'appliquent en même temps, en permanence, aux quatre coins de l'univers, comme si l'univers était hanté. C'est un phénomène paranormal. Et ça, ils le cachent. Les professeurs à l'école, ils ne vous disent pas ça. Ils vous disent, voilà, l'univers est régi par des lois fondamentales de l'univers, c'est comme ça, c'est la nature. Alors que ce que devrait dire le professeur, bonjour les enfants, bienvenue, je suis votre nouveau professeur de physique. Comme vous avez sans doute remarqué, sauf si vous y êtes trop habitué à tel point que vous n'y faites plus attention, comme vous avez remarqué, notre monde est hanté. Une quantité astronomique infinie de forces agissent en permanence de partout entre les atomes, les particules, les corps. Notre monde est hanté, nous pouvons observer une quantité infinie de forces invisibles agissantes. Bien sûr, les scientifiques n'y comprennent rien. Pourquoi sommes-nous hantés? Par qui? Nous n'en savons strictement rien. Par contre, ce qu'on a su faire, c'est mesurer toutes ces forces, faire des calculs, et on a retrouvé des équations qui nous permettent ensuite de manipuler partiellement la matière. Et grâce à cette maîtrise, nous créons des technologies. Monsieur, comment ça, le monde est hanté? De quoi vous parlez, les forces invisibles agissantes? Mais par exemple, mets-toi debout. Voilà. Et maintenant, arrête de faire fonctionner tes muscles. Monsieur, on me pousse vers le sol. Exactement, tu es poussé vers le sol. C'est comme si moi je venais, je t'écrasais. Monsieur, vous êtes lourd. Mais maintenant, tu comprends ce que c'est la gravité. Monsieur, quelle est cette force qui me pousse? C'est ce que je t'ai dit, nous n'en savons strictement rien. Mais nous savons la décrire, nous savons la calculer, et nos calculs nous permettent d'envoyer des satellites autour de la Terre. Ça, c'est la force de gravitation, elle s'exerce entre tout objet, entre toutes particules en fait. Tous les corps, toutes les particules sont attirées les unes aux autres. Au niveau du mécanisme, il y aurait peut-être des échanges permanents de gravitons, des mini-particules invisibles. Et c'est notamment grâce à cette loi que les objets prennent forme, qu'ils tiennent debout, que le monde que tu connais existe. Ok, c'est quand la récré? Ensuite, tu as d'autres forces, comme au niveau microscopique, au niveau quantique même. Tu as une force qui permet la cohésion des noyaux des atomes. Sans cette force, la matière ne pourrait pas se structurer. Elle s'appelle comment cette force? La force forte, parce qu'elle est forte. Ah d'accord, très ingénieux. Et les scientifiques, ils l'expliquent comment? Bah, comme je t'ai dit, on ne l'explique pas, ce sont des forces invisibles qui agissent, on ne sait pourquoi, on ne sait comment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il se pourrait qu'une conséquence de l'application de cette force, mécaniquement, ça conduise à un échange, comme pour les gravitons, cette fois c'est un échange de gluons qui font comme de la glu entre les particules à l'intérieur des atomes. Donc en gros, on ne sait rien, quoi, c'est ça. Oui, voilà, c'est ce que j'essaie de te dire depuis le début. Ok, c'est quand la récré. Tu penses qu'à ça, toi? Et ça, c'est pas du tout ce qui se passe. Ce que font les profs, les scientifiques et tout, ils font comme s'ils avaient compris. Et ils disent, voilà, ce sont les lois de la nature. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça qu'ils disent. Quand on leur dit, mais on peut en savoir plus, pourquoi? Non, il n'y a rien, cherche pas à réfléchir. C'est comme ça, c'est la nature. Circule, il n'y a rien à voir. Après, on peut mener une petite enquête sur ce fantôme qui hante l'univers. On ne sait pas combien il y en a. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des lois, donc il y a un ou des législateurs qui ont écrit les lois, qui ont conçu les lois, qui ont pensé les lois. Donc il y a aussi une conscience. Pour écrire des lois, il faut aussi une volonté. Ensuite, pour faire appliquer ces lois, il faut une force. Pour pouvoir les faire appliquer partout dans l'univers, en tout point de l'univers, entre toutes les particules de l'univers, soit il faut une quantité infinie d'agents qui vont faire respecter ces lois, mais on va rester sur le chiffre 1. On applique le rasoir d'Occam, on ne prend pas l'hypothèse d'une infinité d'agents, on va rester sur 1 parce que c'est l'hypothèse la plus simple, la moins coûteuse. Donc pour faire appliquer cette loi de partout, il faut une certaine omniprésence, il faut se trouver dans tout l'univers en même temps, ou au moins pouvoir agir en tout point de l'univers à tout moment. Pour appliquer autant de force, il faut une quantité infinie d'énergie, c'est-à-dire une certaine omnipotence. Ce fantôme, on ne le voit pas, on sait qu'il est invisible, inaccessible, et peut-être que c'est le même fantôme qui est à l'origine de l'univers. Au Big Bang, ils disent qu'il y avait une quantité gigantesque d'énergie, presque infinie. Or, on connaît quelqu'un qui a une quantité infinie d'énergie. Il se pourrait que ce soit la même personne. Après, il y a aussi le mystère du vivant, comment des choses inanimées se mettent à s'animer. Et on peut continuer avec le rasoir d'Occam et limiter le nombre à 1. Le rasoir d'Occam, c'est un principe de raisonnement dans lequel on favorise les hypothèses les plus simples, les moins coûteuses. Inutile de faire intervenir plein d'agents, plein d'acteurs différents, si un seul est capable de remplir tous les rôles. Et donc, une conclusion
qui est une hypothèse, il se peut que toutes ces forces invisibles proviennent du créateur qui a créé l'univers, qui a créé la vie, qui a créé les lois et agencé la matière. Les musulmans remarqueront au passage que plusieurs de ces mots font partie des 99 noms d'Allah. Et cette hypothèse, ce n'est pas une conclusion farfelue, c'est une conclusion tout à fait logique, tout à fait cohérente, que le professeur peut tout à fait présenter aux élèves. Il peut tout à fait leur dire, voilà, si on pousse le raisonnement, on peut émettre l'hypothèse que tout ceci provient du créateur. Après, il peut ajouter, il existe une autre hypothèse, c'est la théorie des multivers. C'est un peu plus tiré par les cheveux, si tu veux, je t'expliquerai dans une autre vidéo. Mais en gros, il y aurait une infinité d'univers. Bon, on va rester avec le rasoir d'Occam. Donc, voici ce que nous pensons. Nous, la communauté scientifique. Mais Johnny, c'est le contraire. La communauté scientifique n'est pas croyante, c'est des athées. Oui. Maintenant, tais-toi. En fait, les scientifiques, ils tendent vers l'athéisme, tout simplement parce qu'ils sont victimes d'une déformation professionnelle. C'est très facile à comprendre. Je vais vous révéler un secret. Les scientifiques, ils ont un mode de pensée cartésien et matérialiste. Tout au long de leurs études, de leur carrière, de leur vie d'adulte, de leur jeunesse même, ils sont restés dans un certain moule de pensée et de réflexion. Et dans leur métier, donc, ils sont habitués à chercher des causes cartésiennes et matérielles derrière les phénomènes. Si la pomme tombe de l'arbre, c'est pas parce que c'est un fantôme qui l'a poussé, c'est parce qu'il y a l'attraction terrestre. Et s'il y a l'attraction terrestre, c'est parce qu'il y a des ondes gravitationnelles ou des gravitons. Après, ils vont chercher la cause matérielle derrière ces gravitons, et soit ils vont trouver, soit ils vont rien trouver, et ils vont tomber sur une loi. Et ils vont dire, voilà, c'est la loi de la nature. Il faut bien comprendre le conditionnement de leur cerveau, qui fait que, si on leur demande, on demande aux scientifiques, crois-tu en Dieu? Il a moins de chances de répondre oui, puisqu'il est habitué, il est conditionné, dans ce mode de pensée où il est en permanence à la recherche de causes matérielles derrière les choses. Et ça affecte forcément ses opinions personnelles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous athées, mais en proportion, forcément, logiquement, il y a plus d'athéisme chez eux. Quand ils atteignent une limite, ils n'arrivent plus à expliquer quelque chose, ils ne vont pas dire « c'est le bon Dieu », ils vont dire « il y a sans doute une explication derrière, une explication matérielle derrière, que la science actuelle ne nous permet pas d'expliquer, tout comme à l'époque, on était bloqué ici ». Puis on était bloqué ici, et aujourd'hui on est bloqué là. C'est juste que la science actuelle est limitée, mais il y a sans doute une explication matérielle derrière, tout comme il y en avait à l'époque et encore avant. En fait, le jour où il se retrouvera face à un véritable mur infranchissable, il dira il y a sans doute une explication scientifique qu'on n'a pas encore trouvée. Et heureusement qu'il dit ça, parce que c'est son métier, c'est son rôle. Le rôle du scientifique, c'est de ne jamais faire intervenir le mystique, de jamais dire bah, c'est le bon Dieu qui a fait ça, mais de rester dans le matérialisme et chercher des causes matérielles. C'est son rôle, c'est son métier, c'est ce qu'on lui demande. S'il ne remplissait pas son rôle, la science serait bloquée. Puisqu'il dirait, bah, c'est le bon Dieu, on ne cherche pas, c'est comme ça, c'est le bon Dieu qui a fait ça. Donc dans le cadre de son métier, il ne parlera jamais de Dieu. Et dans le cadre de sa vie personnelle, il est tellement habitué à cette méthodologie matérialiste qui a jusque-là fonctionné. Sa méthodologie a déteint sur sa personne et il est moins croyant que les autres. S'il croit moins en Dieu que les autres, ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent, c'est pas parce qu'il a plus de science que les autres. C'est tout simplement dû à une déformation professionnelle. Dans son métier, il raisonne avec des équations, des mathématiques. Il voit le monde de façon mathématique. Il arrive à son bureau, il allume l'ordinateur, il se met en mode travail, et hop, tout se transforme en maths. Il voit des maths partout, des chiffres partout. Là, il y a une équation, là, il y a des équations partout. Le monde, pour lui, c'est un amas d'équations. Donc forcément, quand il ferme son ordinateur, il rentre chez lui, dans sa vie personnelle, forcément, ça déteint sur lui. Ça déteint sur sa vision du monde. Si jamais il se passe quelque chose en coulisses, comme tout à l'heure avec Hugo derrière la chaise, s'il y a quelque chose en coulisses, le scientifique va l'ignorer. Il va plutôt regarder les équations. Il est coincé dans un certain cadre, une certaine vision du monde. Et au final, il est un peu similaire à quelqu'un qui aurait un conflit d'intérêts. Le mécanisme est un peu similaire. Celui qui a un conflit d'intérêts, son avis n'importe pas car il n'est pas objectif. Il y a des influences. Son avis ne vaut rien. Le scientifique, c'est un peu pareil. Il a tellement été influencé dans sa vie, dans sa carrière, dans ses études. Son mode de pensée a tellement été affecté, il y a tellement eu d'influence sur ses opinions que son avis ne compte pas. Il est à écarter. L'argument d'autorité comme quoi, regardez, les scientifiques ne croient pas, donc ils ont peut-être plus raison que le berger ici dans sa montagne qui ne comprend même pas la pomme qui tombe de l'arbre. Cet argument qui consiste à dire c'est des scientifiques donc ils ont plus raison que les autres, il ne tient pas à cause de cette déformation professionnelle qui a trop affecté leur personne. Donc ça, c'est un premier biais, la déformation professionnelle, et par-dessus ça vient s'ajouter un autre biais, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont forcément raison, puisque
La preuve, regardez tout ce qu'ils ont produit, toute la production scientifique, toutes les technologies, les fusées, les lasers, les ordinateurs. Ce sont eux qui ont fait ça, c'est avec leur science qu'ils ont fait ça. Le berger, là, il n'a rien fait à part tondre ses moutons, avec une tondeuse fabriquée par ces gens. À part tondre ses moutons, qu'est-ce qu'il fait le berger? Qu'est-ce qu'il comprend à la vie? Il croit que quand la pomme tombe, il comprend même pas en fait, il sait même pas que c'est la loi de la gravité. Il est tellement ignorant qu'il sait même pas ça. Si on compare ce benêt qui comprend rien à la vie, qui croit en Dieu sans preuve et qui tond ses moutons, aux scientifiques qui ont tout compris, qui ont des équations, qui ont fabriqué toutes les technologies, des fusées dans l'espace. Ces hommes-là, ils ont envoyé des fusées dans l'espace avec des équations. Ils arrivent à calculer la vitesse de la lumière, la distance Terre-Lune au centimètre près. Si on compare ces gens avec le berger, il n'y a pas de doute qu'ils ont certainement plus raison, eux, que Satan. Et cette réflexion que beaucoup de gens ont, c'est un biais cognitif. Parce que sous prétexte qu'ils sont plus intelligents, qu'ils ont fait des technologies incroyables, on en déduit que leur opinion personnelle sur la vie est plus sérieuse, plus fondée que celle du berger. Or, c'est faux, puisqu'on a dit au contraire qu'il fallait écarter leur opinion. Et il ne faut pas être impressionné par leur technologie, les fusées, les lasers. Ça, c'est un argument d'autorité, c'est à délaisser quand on raisonne sainement. Et il ne faut non plus pas être impressionné par leur assurance. Parce qu'ils parlent avec assurance, comme s'ils avaient tout compris. Voilà, la gravité, c'est très simple. C'est la loi de la gravitation, Newton, Einstein, relativité générale, champ quantique. Ils sortent un charbia, ça peut être très impressionnant. Voilà, il y a des échanges de gravitons. Ça a été détecté par nos détecteurs ultra sophistiqués que tu n'arrives même pas à comprendre. Laisse tomber, berger. Et ce qu'ils font, c'est qu'à la fin, ils te pondent des lois. Hop, ils te pondent une loi, une autre loi, et une autre loi. Et ils donnent l'impression qu'ils ont une maîtrise sur les choses, sur la compréhension des choses. En fait, non, ils n'ont qu'une maîtrise sur l'aspect matériel des choses. Ils arrivent à maîtriser la matière. Mais la compréhension profonde des choses, à ce niveau-là, ils ne sont pas plus avancés du tout que le berger. Les lois qu'ils pondent ne sont que des cache-misères. Et la misère qu'ils cachent, c'est on n'a rien compris. On n'y comprend strictement rien. Et comme il y a le septième mur qui les empêche de voir ce qui se passe en coulisses, comme les prisonniers tout à l'heure qui ne voyaient pas ce qui se passait, ils croyaient qu'ils étaient comme par magie, selon des équations en prison. À cause de ce septième mur, les scientifiques sont coincés sur les lois, sur les équations, et ils ne raisonnent qu'en mathématiques. Ils voient le monde, comme on a dit, mathématiquement. Et quand on leur dit, OK, mais elles sortent d'où ces équations, là, ils sont coincés. On ne sait pas encore, on fait des recherches, là, on est dans la physique quantique, théorie des cordes, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est que plus ils vont en profondeur, plus ça sort du matérialisme. Ils essayent de rester dans le matérialisme. Mais plus ils vont en profondeur, plus ils fouillent, plus ça devient en réalité mystique. Ils te disent peut-être les particules, en fait, c'est pas véritablement solide, c'est peut-être des ondes, des champs, des nuages, des vibrations, des cordes qui vibrent. Ça devient de plus en plus mystique. Et ils parlent avec assurance alors qu'ils sont comme les prisonniers. Les prisonniers, dans l'exemple de tout à l'heure, ils ont trouvé des équations. Ils disent, on a découvert la loi de l'incarcération spontanée. Voici l'équation. Le monde est régi par des lois mathématiques. Et si on leur dit, t'es sûr? Ils disent, mais voyons, c'est prouvé, c'est scientifiquement prouvé que c'est régi par cette loi. C'est une loi quantique très connue chez les spécialistes. Et donc il y a ces deux biais, le premier dont sont victimes les scientifiques, et le deuxième dont sont victimes les autres. Et ces deux biais deviennent deux facteurs qui plongent l'humanité dans l'athéisme et le matérialisme. Plus la science avance, plus la technologie avance, plus on est impressionné, plus on a tendance à faire confiance à cette méthodologie matérialiste, à croire aux scientifiques qui sont victimes du premier biais et qui disent Dieu n'existe pas. La preuve, le monde est régi par des équations, pas besoin de Dieu. Et plus la science apporte des solutions et des récompenses matérielles aux gens, plus les gens suivent et plus l'humanité est plongée dans l'athéisme et le matérialisme. Et le jour où tu as accepté la réponse du prof qui t'a dit, mais voyons, c'est la loi de la gravitation, c'est fort connu, voyons. Le jour où tu as accepté ça comme étant une explication, c'est ce jour-là que ton cerveau a été retourné. Et je viens de te le remettre à l'endroit. Fin de la deuxième séance noire. Donc je répète, l'objectif n'est pas de montrer que les athées ont tort. L'objectif, c'est de déconstruire des idées reçues et de montrer que l'athéisme est bien plus fragile qu'il ne laisse paraître. De montrer à quel point il est facile de déconstruire cette doctrine sans même utiliser de préceptes religieux. En fait, contrairement à l'islam, qui pour être déconstruit, il faut nier l'islam avant de le déconstruire. Pour détruire l'islam, il faut l'attaquer depuis l'extérieur, l'extérieur de la doctrine. L'athéisme, c'est différent. La doctrine athée, tu restes à l'intérieur et c'est une doctrine autodestructrice. Elle se détruit par ses propres préceptes à elle, car nulle part nous n'avons invoqué de préceptes religieux. Dans les séances noires, nous n'utilisons pas les textes religieux comme preuve. Nous n'utilisons pas de croyances.
On utilise juste la raison, la logique, sans subterfuge. Nous avons encore une fois été rationnels, logiques, méthodiques, et nous sommes parvenus à nous désendoctriner d'une idée reçue qui avait été imposée comme évidente et indiscutable. Les quatre leçons à retenir de la séance. Décrire n'est pas expliquer. Quand tu décris quelque chose, un phénomène, tu tombes sur des lois, tu n'as rien expliqué au phénomène, tu ne l'as que décrit, tu l'as traduit mathématiquement. Deuxième leçon, une loi ne s'applique pas seule, ou alors c'est une loi auto-engendrée magique, mais là on est très proche du principe de Dieu, car la caractéristique de Dieu c'est justement d'être auto-engendré. Et nous avons vu deux biais, le biais dont sont victimes les scientifiques, qui voient leur méthodologie de travail d'éteindre sur eux-mêmes, sur leurs opinions, des formations professionnelles. Et le deuxième biais dont sont victimes les gens qui font exagérément confiance aux scientifiques à cause d'autres biais, il y a différents biais. On a vu par exemple la technologie. Comme les scientifiques ont prouvé leur maîtrise par la technologie, on a tendance à leur faire confiance. Et il y a d'autres biais, et ça on le verra dans une prochaine séance noire.